Bonjour, bienvenue dans ce blabla corde. Nous allons faire deux versions de cette vidéo, une version YouTube censure et la version normale qui respecte le droit, le droit d'auteur et le droit de citation. Si vous êtes sur YouTube et que vous voulez voir la version normale, baissez le son de cette vidéo et laissez-la aller jusqu'à la fin. Ça, c'est pour flatter l'algo de YouTube. Et pour vous, il y a un lien dans la description pour nous rejoindre. Bref, peu importe où vous nous regardez, bon vidéogramme. On n'a pas dit pour les commentaires, le partage et tout et tout. Ça va, ils veulent voir la vidéo, on va pas les ennuyer avec ça. Bonjour. Bonjour Nous venons de récupérer notre chaîne YouTube. Donc, ça, on en reparle à la fin. On interrompt bon. notre flux de vidéos pour faire celle-ci. Nous n'en avons pas encore parlé de manière explicite et claire. Sans évoquer des pratiques douteuses, nous allons parler de la norme. D'attitudes individuelles, de comportements de groupes qui posent souci et qui même peuvent poser des problèmes. Le monde des cordes s'ouvre, se popularise, de plus en plus de monde pratique les cordes. Et nous, on a mis des notes hors champ parce qu'on <laughs> veut garder notre spontanéité, mais on ne veut pas non plus dire de bêtises, donc il y a des notes hors champ, donc on n'a pas tout le temps la caméra, désolé. Nous ne pensons pas être méchants, on est humain. On commet des erreurs, on a de l'empathie, de la compassion. Donc potentiellement on va être maladroit mmh. donc on, on préférerait que vous considériez ça vraiment comme de la maladresse et pas de la malveillance ça serait cool donc, la norme, on ne veut pas d'expérience personnelle que nous avons vécue nous nous sommes retrouvés en groupe mmh. en groupe de travail un modèle dont nous ne précisons pas on le sait, que c'est pas important c'est mmh. un modèle qui va se faire encorder, qui revient d'une séance sur le ton de l'anecdote, en riant, en rigolant ils sont toujours amis tous les deux ils se sont revus après la séance donc tout va bien et le, le modèle revient d'une séance qu'il a fait avec, avec une personne qui l'a encordée Tout à fait. et nous raconte qu'avant sa séance. Donc la personne a dit, explicitement, de la manière personne, claire. Voilà, La personne a dit Je ne veux pas que ça soit fait, ça et ça. Je refuse, me le, ne fais pas ça. On ne vous dit pas ce que c'était, on ne vous dit pas quel caractère c'était, C'est pas important. Ouais. Elle a dit Je ne veux pas que ces choses-là, précisément, tu ne les fasses ouais. pas avant la séance, avant que la séance commence. Donc c'était bien clair. Et pendant la séance la personne qui est en corde... Spoiler <laughs> La personne qui est en corde a fait spécifiquement ce que le modèle avait demandé de ne pas faire. Donc Là. ça, c'est pour la situation... Et en plus, que le modèle nous a dit que pendant la séance, le modèle avait, avait gueulé pendant la séance en disant oh, ⁇ oh, oh, je t'avais dit de ne pas le faire avant, en plus !⁇ Et le modèle nous raconte ça en rigolant. C'est-à-dire priori, ce n'est pas un problème, cette situation, en fait. On en la rire. raconte comme ça, avec le recul. Donc, il y avait bien la communication, il y avait bien le consentement. Le modèle revient en nous disant, en nous racontant ça, en riant, voilà, c'est plutôt une, une anecdote amusante, mmh. c'est une anecdote amusante pour le modèle. On en rit, elle, elle en rit. On en rit, nous faisons partie du groupe, le, le groupe, groupe rit. Et nous trouvons ça normal. Apparemment, voilà, tout est bien, tout, tout va bien, ça c'est pour les apparences. Tout le monde rigole, nous rigolons, personne ne dit rien. Entre nous, on en reparle. Et nous en reparlons entre nous. Bah déjà, intimement, moi... Je... Là, effectivement, quand la personne raconte ça, moi je dis rien au groupe, je dis rien voilà, à toutes les personnes concernées et par vers moi. Et quand j'en reparle avec Laurent, ce que je pense, c'est mais non, moi si quelqu'un me fait ça, mm -hmm. ça va juste pas se passer correctement. Il va m'entendre gueuler après. C'était pas grave, il n'y a pas eu de conséquences derrière, mais moralement, éthiquement. Et ce qui pose souci, c'est que nous faisons du parti du groupe, nous voyons ça, bah, nous faisons comme le groupe euh, nous ne disons rien, nous rigolons, et le groupe rigole, nous sommes là, nous rigolons, nous ne disons rien, personne ne dit rien, tout va bien. Nous faisons partie du groupe, et le groupe dont nous faisons partie trouve ça normal qu'on dise non et qu'on fasse oui. Effectivement, moi, ça m'a un petit peu touché, ça ne m'a pas choqué, mais ça m'a un petit peu heurté. Moi, Donc, ça, a... ça a heurté Valérie, quand on en discute, on fait, effectivement, on est d'accord, on n'est pas, pas d'accord là-dessus, c'est pas normal Donc, ça. On y reviendra, mais effectivement... Là, il y a un biais de conformisme qui a fait que nous n'avons rien dit, personne n'a rien dit, peut-être que les autres, on ne sait pas ce qu'ils pensaient, mais bon, on va y revenir. Voilà. Donc ça, c'est une expérience. On en a deux autres à vous raconter. Une première qui est une expérience sexuelle pornographique et une autre qui est SM avec de la douleur. Donc ce qui se passe, c'est que nous allons... Dans un lieu public pour voir une des séances de cordes. C'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un, un club BDSM, un club privé avec un dress code, avec des codes restrictifs pour y re accéder. C'est quelque chose qui est accessible à tout le public. Donc nous étions venus voir de simples séances de cordes. Euh, c'était des séances, des shows, des démonstrations. Et là, ben. Euh... Ce qui se passe, c'est que à la fin de la séance, L'encordeur euh, ben, masturbe ce modèle en fait. Bon, on ne va pas devoir. Se... Il a fait le jour dans tout le monde en fait. Donc, c'est une donc, séance sexuelle en fait. Ouais. Donc, donc, nous, nous sommes venus voir une Des séance cordes. de corde, mmh. pas une séance de cul, quoi. Oui, de sexe, de cul. Ça. Je vois, je vois... On ne sait pas comment le dire poliment. <laughs> c'est vraiment ça. Euh... Donc, dans la première séance, ben, les cordes sont. Honnêtement, les cordes étaient vraiment très jolies. Ça nous a vraiment plu. C'était vraiment très sympa les deux séances et on n'a rien à redire sur la séance. Bah, si on a à redire sur la séance. Donc les séances étaient vraiment très jolies. On a beaucoup aimé. Donc, ce qui qu se la... passe, c'est que bah, nous spécifiquement nous n'attendions pas du tout à ça et sur la deuxième séance c'est du SM du, du SM assez dur pour rappel on n'est pas dans un club BDSM oui, enfin. c'était des cordes qui étaient très dures l'accent était vraiment jolie, les cordes étaient jolies mais bah, d'un côté il y d'un du côté il y avait la pornographie avec du sexe explicite on peut dire il n'y avait pas d'ambiguïté de dessus et de côté on voit bien que le modèle il souffre et qu'il a mal il est consentant, on est d'accord il y a tout le monde du consentement là c'est un modèle qui est... Voilà. sauf nous on n'était pas consentant. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on voulait voir, ce n'est pas ce qu'on était venu voir. Ce n'était pas notre consentement à nous, nous C'était Ce n'était pas annoncé, ça va être une séance SM un peu dure. Ouais, dit, pas... non, cordes, non, non. Ce n'était pas dit, on était tranquille. C'est ce qu'on est venu voir, c'est ce qu'on pensait voir. Et donc Et... c'est ce qui pose souci, c'est qu'on s'y attendait pas. À part ouais. cette partie-là qui était bah, ouais, choquante, elle nous a dérangé honnêtement. Elle n'y aurait pas été, ça aurait été très bien. Elle y a été, bah, on en a parlé entre nous, on, a parlé avec... Et on en a parlé avec d'autres personnes, on a fait... Ouais. Nous étions en compagnie d'une personne qui a 40 ans d'expérience dans, dans le monde spécifiquement du BDSM. Donc pour, pour choquer cette personne, il en faut déjà quand même pas mal. Et du coup, on en discute entre nous avec cette personne, du coup, nous avons... Euh... Nous nous sommes justifiés de... De, de la de... séance. En disant, euh... ben bah, écoute, oui, mais tu sais, dans les autres séances, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Là, c'est parce que c'était une démonstration. est ce qui fait que nous nous sommes conformés nous au groupe. On n'est pas allé voir les organisateurs et le, les encodeurs pour dire c'est peut-être pas ce qui était annoncé pour la séance. On s'est conformé à l'avis général du groupe, à toute l'ambiance du groupe. Nous avons fait partie de ce groupe et nous avons accepté la norme qui était de faire du sexe et du SM alors que ce n'était pas ce qui était présenté justement. Voilà, donc nous avons rien dit. Le problème c'est ça, c'est que bah, nous n'avons rien dit. Personne n'a rien dit globalement. On sait que d'autres personnes pensaient comme nous. Oui. Voilà. Et le problème c'est que justement tout le monde, nous faisons partie de tout le monde, nous n'avons pas dit, ben ça, ça ne nous convenait pas. C ça s'appelle le biais de conformisme. Nous avons fait partie de ce qu'on appelle un groupe fusionnel et on va en parler tout de suite. Des conseillers du, de l'ex-président des états unis Barack Obama, hein, euh, deux monsieur qui s'appellent Cass Sunstein et Adria Adria Adrian euh, Vermeule. La quête du groupe fusionnel, c'est quelque chose qui nous habite tous. On a tous envie finalement de vivre en paix, etc., d'être euh, d'accord avec les gens. Quoi. Et euh, en fait, le groupe fusionnel, hein, en réalité, euh, rassemble euh, des gens qui croient être tous d'accord. Dans, dans les sectes, par exemple, hein, euh, ou dans, dans des mouvements de mode, par exemple, hein, euh, en fait, on voit des groupes fusionnels commencer à se constituer. Ça, en général, bon, ça, ça ne ça dure pas très longtemps et ça se finit en bain de sang. Pourquoi Parce que ces gens croient être tous d'accord. Aussi longtemps qu'ils croient cela, ils sont dans l'amour. Hein, euh, et euh, quand ils se rendent compte qu'en fait ils ne sont pas tous d'accord, alors l'amour se transforme en haine, hein, avec un sentiment de trahison, hein, donc de promesse trahie, et euh, donc de déception sentimentale. Nous avons utilisé quelqu'un d'autre pour vous parler du groupe euh, fusionnel parce qu'on ne savait pas trop le faire, hein. on a triché, désolé. Ce qui se passe dans ces situations-là, plein de petites situations mm. reviennent, de façon récurrente, ce sont des petites situations, voilà, c'est anodin, du coup c'est insidieux, on ne dit pas, on ne on, on conteste pas, on ne proteste pas, on participe, hein. On laisse faire, on rigole, mmh. tout va bien. Et petit à petit. Donc, ces attitudes individuelles et ce comportement de groupe. Hein, ça fait plein de petites mauvaises habitudes qui s'installent, de mauvaises attitudes qui, elles-mêmes, en retour, entraînent de mauvaises normes. Alors que la norme originelle, elle existe, c'est le shibari. Si vous ne savez pas si vous savez ce que c'est le shibari, on ne vous l'apprend pas, mais si vous ne connaissez pas shibari, vous cherchez shibari sur Internet, vous tombez sur la page Wikipédia. Donc, bondage japonais. La page Wikipédia date de 2008. Elle a 10 ans, la page Wikipédia du bondage japonais. Si vous ne savez pas ce que c'est que le bondage, vous pouvez faire une recherche. En faisant cette recherche, vous allez tomber sur le sigle BDSM. Mm -hmm. Et ce sigle, bah, vous allez tomber sur la page Wikipédia. Bien, vous, oui, vous, oui. Voilà. Et la première phrase de la définition. Le sigle BDSM désigne une forme d'échange contractuel. Cette page date de 2004, ce qui fait une quinzaine d'années. Voilà, ça c'est la première phrase. On a l'index, ça indique un petit peu l'historique du BDSM, et la première phrase qui est écrite dans le BDSM, c'est ⁇ Les relations BDSM se vivent entre deux de Constantin ». C'est la première phrase de la définition de la page Wikipédia. Et les créatifs qui regardent cette vidéo savent que le véritable artiste apprend les règles, maîtrise les règles et brise les règles. Dans cet ordre. Non, parce que si tu te contentes de briser les règles... <coughs> 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 hey 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 Tout le monde sait très bien que le consentement c'est une règle indispensable. On ne fait rien s'il n'y a pas de consentement. En dehors du groupe fusionnel des cordes, je veux dire, c'est dans la vie quotidienne, avec les enfants, avec la famille, partout. C'est une règle de société. Sauf que on sait tous très bien qu'il faut le faire, on ne sait pas nécessairement comment on l'applique au quotidien. Effectivement, il y a une différence entre connaître la règle et pratiquer la règle. Et donc là, nous avons une vidéo en préparation. Donc, le consentement, qu'est-ce que c'est comment on le manifeste À l'écoute ou pour l'exprimer Et les échanges, la compréhension. Voilà. On l'a dit, de plus en plus de gens font des corps. Parmi tous ces gens, de plus en plus nombreux sont ceux qui souhaitent ne pas être associés au sexe, à la pornographie, au SM. Effectivement, euh, en gros, même les pros qui gagnent de l'argent avec, c'est leur métier, ils disent ⁇ Je suis artiste ou je suis auto-entrepreneur en, ⁇ En règle générale, ils préfèrent ne pas se présenter comme chibaristes. Bah, c'est bien que même eux qui sont dans le métier, c'est un signe caractéristique de l'image qui est véhiculée malgré tout. Voilà, cette image, cette réputation sont souvent négatives, plutôt péjoratives. En tout cas néfastes, hein ça c'est sûr. Et donc, de plus en plus de monde est dans cet état d'esprit, en gros. Bah, on aimerait pouvoir dire qu'on fait des cordes. Et ne pas avoir besoin de se cacher. Notre démarche dans l'esprit. Nous faisons de la popularisation, de la vulgarisation. Sans interprécis ni dire trop de bêtises. Dans la forme, ben, nous réalisons des cordes habillées. Euh, sans douleur, sans SM, sans sexe. Et donc nous faisons pas de porno, pas de sexe, pas de nu. Et pas de like. Pas de like. Bon, plus sérieusement, il n'y a pas besoin d'un un professionnel ni un initié. Pour faire des cordes. Bon, vous pouvez faire des cordes en tant qu'amateur, apprenti ou associé. Et respecter les règles. Là, on parle essentiellement des règles de sécurité. Les amateurs comme les novices respectent les règles de sécurité. Actuellement, c'est la période du foot. Actuellement c'est la période du foot. Donc au foot vous avez des professionnels qui jouent, et des amateurs, licenciés ou pas. Et tout le monde, de part et d'autre, respecte les règles de sécurité. Qu'on soit pro ou amateur, on n'est pas là pour se faire mal, on n'est pas là pour blesser l'adversaire, on est là pour jouer ensemble. On peut aussi jouer en amateur, ne pas respecter scrupuleusement les règles du jeu, mmh. jouer un peu à la babale, c'est ce que nous faisons, en... par comparaison avec nos de bisounours. Effectivement, ce n'est pas du football et nous, on a décidé d'appeler ça du Shibuntu. Shibuntu, c'est Shibari et Ubuntu. Shibari, de attaché en japonais. Nous avons une vidéo en préparation sur le Shibari. Et Ubuntu, le lien. En bantu. Et on reparlera de ça un petit peu plus tard. Ce que nous disons, nous, c'est que nous faisons des cordes Bisounours shibuntu. shibuntu. donc. Notre sentiment, il nous semble que de plus en plus de gens souhaitent faire des cordes et des cordes soft. Des cordes Bisounours, en tout cas, c'est notre impression. Bien sûr, on n'interdit à personne de faire du Shibari classique. C'est simplement que, comme beaucoup de personnes, on ne souhaite pas être obligé d'avoir cette image qui ne correspond pas à ce qu'on fait. On ne cherche pas à convaincre de faire des cordes bisounours. C'est pour dire aux gens qui font des cordes bisounours Shibuntu, vous n'êtes pas seuls. On a récupéré notre chaîne. On en a ouvert une nouvelle au cas où celle-ci disparaisse. Pensez à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Donc, il n'y aura plus de séances sur YouTube. C'est pas possible, c'est plus permis. Par contre, nous continuons à faire des séances. On mettra des bandes annonces sur YouTube et vous aurez le lien pour venir les voir. Donc, en parlant de ça, on a des vidéos en cours. Sur donc le Shibari, euh, le consentement, la sécurité. On lit donc la relation, euh, le BDSM, les cordes, on en oublie. Il y a aussi des séances qui sont finies, donc en cours de montage. Quatre il y a cookies quatre quickies, et une ou deux vidéos qui sont en cours de montage. D'autres qui sont à venir. Tournées à, sont... à venir. Donc, bref, il y aura de quoi faire pour cet été. Merci, Merci à vous de nous, nous suivre. suivre. La chaîne était morte pendant presque trois mois. Vous, allez vous continuer avez continué à vous, abonner. à vous abonner. La dernière fois, vous étiez 1500. Trois mois bloqués par YouTube et vous êtes 500 de plus. On est à 2000. On pensait que la chaîne allait disparaître. Ça fait super plaisir. Merci, Merci à vous. vous. Venez vous abonner à la nouvelle chaîne. On se répète. Oui. Les séances, les cookies, etc. Tout ça, ça continue. Vous aurez des vidéos bande annonce. Pour vous tenir au courant. Laurent a pris du retard. Il oui. est en train de faire des tests. Pour partager à nouveau nos vidéos sur Bitchute, Vimeo, etc. D'autres trucs, j'en parlerai plus tard. La bonne nouvelle, nouvelle c'est qu'on va pouvoir mettre nos vidéos avec la bonne musique. Sans la censure de YouTube. Au revoir On termine, on termine par, par des choses, choses basiques, basiques, mais et importantes, et mais qui ne sont pas évidentes pour tout le monde, donc on est obligé de faire ce rappel. On avait prévu des vidéos, mais on préfère le faire maintenant. L'alcool, les drogues. On n'en prend pas. C'est pas compatible avec la sécurité. il y a certains qui disent oui mais bon c'est qu'une petite bière c'est un verre c'est pas grave. D'accord parfait dans ce cas-là vous attendez vous le prenez après la séance. Bah, oui vous avez raison si c'est un verre et si c'est pas grave vous pouvez le prendre dans une heure une séance dure une heure ou deux bah, si c'est pas grave on peut le faire dans deux heures il ne a va pas mourir c'est pas c'est qu'un verre vous avez raison vous pouvez la prendre après. Et donc si vraiment vous ne pouvez pas attendre ni pour vous ni pour la sécurité de votre modèle faites-le au moins par respect pour les gens qui organisent les événements. C'est eux qui organisent les événements, ce sont eux les responsables. Est-ce qu'on est obligé de faire ce genre de rappel à des adultes qui ont le droit de voter, de conduire des voitures et de faire des bébés Normal. Dans le cerveau, les informations circulent de neurones en neurones sous forme de signaux électriques ou de substances chimiques qu'on appelle des neuromédiateurs. Eh bien la présence d'alcool dans le cerveau va perturber ce fonctionnement. Les informations, vous le voyez, circulent beaucoup moins vite. Ce phénomène se produit en particulier dans l'hypothalamus, ce qui va provoquer une baisse de la vigilance, ou encore dans le cervelet qui coordonne les mouvements. Résultat, les temps de réaction sont augmentés et les gestes moins précis. Mais ce n'est pas tout. L'alcool perturbe également la zone frontale qui est le siège du jugement. Voilà pourquoi, lorsque l'on a trop bu, on apprécie moins bien les distances et les risques encourus. La caractéristique d'un adulte, c'est pas être responsable, justement il reste à parler des cordes de cou. Est-ce qu'il faut un accident mortel pour se rendre compte du danger On est bien au-delà d'un placement de nerfs de bras là. Le plus simple, c'est d'éviter les risques. Il y a plein de choses à faire avec les cordes. Si vous êtes initié, vous maîtrisez, vous savez faire. Vous avez les techniques. Vous montrez l'exemple, vous n'en faites pas. À vous voir, ça a l'air super facile, c'est vrai. Sauf que ça ne l'est pas du tout. Et pour les débutants, vous ne savez pas faire, vous êtes en train de découvrir, vous êtes en train d'apprendre justement. Vous maîtrisez pas, vous ne faites pas. Il y a plein de choses à faire. On peut s'amuser de plein de façons différentes. Bref, vous faites ce que vous voulez. Pour l'alcool, les drogues ou les cordes de cou, vous ne faites vous ne faites, faites pas, pas, mais il y aura des conséquences. Merci d'avoir subi ce pur Les vieux rabat-joie moralisateurs vous fichent la paix. Au, Au revoir, revoir.